Deutscher Traber Sommer in Enghien. Am 2. August-Wochenende schaffte Michael Schmidt für den Stall November ein sensationelles Doppel in den wichtigsten 3- und 4-jährigen Prüfungen des Meetings. Samstags gewann der junge Gelsenkirchener Trainer zunächst den Prix de Milan mit dem letztjährigen Derby-Sieger Holly Anthony. Mit Campo Ass und Double Crown belegten zwei weitere deutsche Pferde die Ränge 3 und 4. Dazwischen schob sich nur Ulf Nordins Avenir de See. Nach Every Way und Chergon war Holly Anthony der dritte deutsche Gewinner des Prix de Milan. Devant Altesse du Closet. On arrive dans le premier tournant avec les étrangers pour l'instant qui font la loi, avec en tête Holly Anthony qui précède d'une longueur et demie environ Double Crown, suivi à l'extérieur par Campo Ass, avec en quatrième position Alligator, Axe des Serres qui vient lui tout à l'extérieur, de même qu'autour de nous, suivi par Enharifant. Ils vont passer devant les tribunes pour le dernier tour de piste avec toujours en tête Holly Anthony qui mène le bal en deuxième position. Double Crown côté corde, à ses côtés vient Campo Ass, tout à l'extérieur maintenant autour de nous qui s'est bien rapproché en quatrième position avec aussi au cinquième rang Altesse du Closet, avec Alligator qui vient côté corde, à l'extérieur Enharifant qui surveille quelque peu les opérations, avec aussi Avenir de C pour l'instant qui est bouclé, de même que French Perfect. Vive accélération d'Enharifant à 1300 mètres de l'arrivée au moment où la première ligne est aussi détenue par Campo Ass et côté corde Holly Anthony en quatrième position autour de nous avec Altesse du Closet qui l'a tout près. Double Crown à la corde avec aussi dans son dos Alligator. Ils vont entamer maintenant le dernier kilomètre, toujours pas de distancement, avec en tête Holly Anthony qui mène d'une demi-longueur environ, avec en deuxième position Campo Ass, avec à l'extérieur de lui Enharifant, suivi côté corde par Double Crown, avec en cinquième position autour de nous Altesse du Closet qui est à tout près, de même que Alligator qui suit bien à la corde, alors qu'ensuite Avenir de C est pointé en huitième position environ, avec Atout de Marjon qui vient côté corde et French Perfect entre les deux. Ils arrivent au bout de la ligne d'en face avec Holly Anthony qui conduit toujours les opérations d'une longueur sur Campo Ass en deuxième position. Double Crown qui est troisième tout près à la corde avec Altesse du Closet qui vient au centre tout à l'extérieur. Bon effort maintenant d'Avenir de C qui l'amène en troisième position avec dans son dos autour de nous suivi par Enharifant. Le poteau des 500 mètres dépassé maintenant par le leader Holly Anthony qui emmène avec lui Campo Ass. Avenir de C qui se trouve tout à l'extérieur suivi aussi par autour de nous avec Enharifant. La mi-ligne droite pratiquement avec Holly Anthony qui résiste pour l'instant à Campo Ass suivi par Avenir de C, tandis que Double Crown vient très vite à l'extérieur. On est à 150 mètres de l'arrivée avec Holly Anthony toujours en tête à la corde, suivi par Avenir de C pour la deuxième place à la lutte avec Campo Ass, alors que Double Crown marque le pas à 50 mètres du but avec Holly Anthony. Va-t-il l'emporter de bout en bout? Holly Anthony de bout en bout effectivement devant Avenir de C, la troisième.